on retourne ce qu'on parle, il faut que nous, pour une industrie vraiment, il faut que gagne de monde qui dans musique là, qui pas forcément gagne aucun rapport avec jouer musique, mais lui-même c'est vendre contre vendre, c'est de produire. C'est donc aujourd'hui on a décidé, les créons, les gon concessionnaires de voitures, c'est là le quoi. Mais on a décidé de l'investissement par les dans musique à faire. Il décidé, lui ouais casino gon bar là dans lui, et puis monsieur fait networking parce que nous pas quoi dans ça. Au exemple du networking, c'est encore un festival de musique à fête Burkina Faso, ou bien un festival que et qu'a fait Côte d'Ivoire, pas son génol, mais c'est comment il est le groupe qui fait pour Mega War encore? Magic System. Magic System, yeah. Magic System, ils ont organisé un plus gros festival qui est en Afrique. Ils fait le Côte d'Ivoire dans le pays. Ok? Mais son grand festival international. Mais Magic System vient jouer en Haïti. J'étais là, dans le Pac à sucre. Ah bon. Je n'ai pas de canne à sucre. En Haïti. Mais Magic System, je n'ai pas de canne à sucre. Qui l'a fait l'entrée, c'était et partner Hollywood Live là. Et Calico. Calico. Ok. Calico Production. Calico a eu contact pour faire Magic System entrer en Haïti. Magic System a fait plus gros, you know, plus gros festival de musique urbaine en Afrique. En Afrique. Côte d'Ivoire. Ok. Mais, Yodim Calico. C'est un nègre qui est dans le management Zinglin. Yeah. Donc, pour qui ça, Calico pas fait networking avec Nexao, fait en sorte que Zinglin, même là, il est capable de prendre des coups, parce qu'en termes de promotion, monsieur Gonadou, Zinglin, il y a 30 personnes là-dedans, ou bien 20 personnes, il n'y a pas payer pour tout le monde. Mais en termes de promotion, on a fait Zinglin venir jouer, peut-être on a pris en charge hébergement. Yeah, yeah. Et puis, pour Zinglin lui-même, pour développer le groupe, là, il y a un investissement, on fait ça, investissement. Donc, on aller en Afrique, ou make sure que au bout 30 minutes, ou préparer terrain pour faire bon 30 minutes pour faire gros impact. Et puis une fois, ce qu'on s'est passé là, Côte d'Ivoire vient de nous s'agir un hub pour un aéroport qui connecte avec plusieurs pays. Donc, parce que dans le festival, ça a fait dans Côte d'Ivoire là, ou bien Camerounais, ou bien Malien, ou bien Ghanéen qui viennent garder. Tout à fait. Il y a des producteurs qui viennent, ouais, ils ont laissé un networking, nous pas bien ça dans le compas. C'est un grand marché. Compas. Le marché africain. Ah, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est la zoukla. Et c'est marché vierge. Vierge, c'est la zoukla prend naissance. Le qu'ils ont, bah, ils zouk africain. Okay. C'est intéressant. Ah, okay. Et Zouk africain, parce que c'est deux Zouk les manés. Et Zouk les manés de compas. Donc, ouais, ils ont pas manés de compas. Donc, le fait qu'ils n'ont pas fait networking, pas qu'ils n'ont pas pris un risque, ils ont surtout été dans une sorte de cercle côté assuré qu'on est capable de faire. Et Hollywood Live, Mocha Café, Brassi Creole, chaque deux, trois balles. Et puis, on a pris tout. C'est crazy. Et puis, make sure qu'on est capable de faire à Paris pour Haïtiens, nous allons aux Antilles. Alors que musique, là, lui-même, en tant que tel. Il y a une précision, ça, pour Haïtiens. Yeah. Musique, là, en tant que tel, il y a triture pour lui faire côté ça. Il y a qu'à consommer. Parce que là, il est déjà. Tout à fait. Il peut aller. Tabou aller. Masque, on peut aller. Masque, on peut aller. Masque, on peut aller en Afrique plusieurs fois. Masque, on peut aller en Côte d'Ivoire. Avec l'Olange. Yeah. Avec l'Olange. Mais on est lui-même qui n'est pas tellement intellectuel, mais qui connaît, qui a voulu faire networking. L'Olange. Yeah. L'époque, monsieur Degen, même si on parle en France, monsieur Mene Karimi Burkina Faso, a joué pour le président Burkinabé à cette époque, nice. Fred Gombaoué, qui m'a battu un coup d'état dernièrement là. Mais networking, on veut dire, c'est fait ouverture. Et n'est qu'à faire ça, il n'est pas forcément musicien. Ce n'est qui ont vision pour musique là, qui dit que musique, ça a fait l'album, si qu'ils ont capable de prendre l'Afrique et pour nous en Europe. Parce que moi, j'ai un ami qui sont hollandais qui dit que le kizomba, c'est comme un sport national à Amsterdam. Wow. Le kizomba. Il y a des écoles de kizomba à travers Amsterdam. Wow. Wow. C'est-à-dire, après-midi, tout le monde travaille à l'école de kizomba qui sont formés de sport libre. Il y a l'apprentissage parce que le kizomba, il y a un pile gouillade là-dedans. Un pile érotisme, si ouais, tu comprends. Ouais. So, maintenant, mais le kizomba qui peut quand même gagner 20 ans, établi en Europe, bon, même parler de ça que les Afrobeats là. Afrobeats, parce qu'il y a Afrobeats, il y a Afrobeats. Tout à fait. Ça qui a fait là, c'est Afrobeats. Afrobeats sont musique qui cap générer des millions de dollars. Mais l'Afrobeats, ça a fait là. Qui est capable de lire son forme de compas là-dedans, parce que baseline ensemble de compas. Mais c'est des gens qui vont venir, qui fait arriver. Oh, définitivement. Qui fait arriver. Donc, nous avons pile problème, mais ce n'est pas pour la musique. La musique, en tant que telle, en dehors de tout aspect, et mon café, est-ce que c'est un bel garçon? Non, je parle de musique, le produit fini, qui est dans mon là, il n'y a pas aucun problème pour la jouer comme musique urbaine à travers tout à fait, le monde. Tout à fait. Maintenant, qui peut vendre ça? C'est ça. Alors, on a un problème de producteur. De producteur-vendeur. De vendeur, de distributeur. Surtout, les idées qui, comme je dis, la musique, là, c'est les distributions numériques. Parce que, forme d'aujourd'hui, là, ou pas besoin dans la musique sur iTunes. Ou pas besoin, je dis, là, ou ne sur son album, et puis m'acheter sur iTunes. Pas besoin d'acheter musique sur iTunes. Moi, j'ai un abonnement sur Apple Music. Moi, j'ai un abonnement sur Spotify. Je m'entends en streaming. Je m'entends en streaming. Oh, nice. Je paye chaque année. Et puis, chaque fois que la musique sort, je m'entends en streaming. Comment tu payes?
Apolline à $13. Oui, mais la musique ne t'appartient pas. Non. Il n'est pas pour vous. Non, la musique pas pour moi. Je suis capable de downloader si je veux. Ah, ou qu'à downloader? Non, bamdo, musique. Je dis à bamdo, Evans. Sous fond album, si m'achète en Haïti, pendant Haïti, m'en non service. Je suis pas obligé d'acheter. Je ne suis sans problème. Ouais, tu as raison. Je ne suis sans problème. Eh bien, la musique va mourir dans ce sens. Non, mais différence avec entre étrangers avec nous-mêmes, c'est que vous anticipez et vous avez une solution, vous n'avez pas plein. Vous voyez à l'avenir, vous préparez pour lui. Vous anticipez. Maintenant, ça vous fait, vous assurez que l'artiste a toujours une douane. Donc, c'est ici toi pour être capable de prendre musique, mettre sous un gloire, j'en voulais. Non, ça n'a pas fait, même. Ou pas qu'à faire ça. D'ailleurs, Wilfried Combat Evans, tu vives ça ou tu fermes. Yeah, c'est vrai. Monsieur. Oh, c'est peut-être ça, monsieur. Et ça fait, conseil de métier pas dans la musique là. Ça, oui, les musiques Pablo Chobé, éditeur. Lorsqu'on a un album qui sorti, ou un éditeur qui prend l'album, non, qui a pas assuré que l'album non, le distribue pour vous, les jouer tout côté, les dans plusieurs plateformes, la mettre tout côté pour vous. Ensuite, monsieur a pas assuré que la musique ça enregistré, non société, soit sur Canada, c'est Soken, sur les États-Unis, c'est BMI ou bien SCAP, sur en français, ça c'est. Ça va dépendre de ses doigts voisins, c'est interprète, sur chanter dans l'album qu'on a gagné comme. On vient mal longtemps. Et on est qui parle dans Speedy Dam, c'est pour vous, qui fait quoi. Vous avez dit, fait quoi. Il y a quoi toujours dans la musique. Ah, définitivement. Il y a vrai que produit physique à pas vendre, en pile, mais toujours un CD. Mais il y a vrai que CD pas 10 ans encore. CD pas 10 ans encore. Ouais. Et ça, c'est évident. Nous pouvons finir parce que le Hague est arrivé. Mais ne vous en faites pas. M'a fait en sorte que d'ici retourner parce que nous avons pile le bagage que nous pas en. Nous avons pile le point que nous pas en. Cerné. Nous pas fin. Maîtriser tout sujet que nous avons. Mais maîtriser avec monsieur. Mais ce qui est sûr, c'est que monsieur n'a pas fongé pour le retourner. On nous a fait savoir que tu es le manager de Steve Kerr, right? Oui. So, qui soit préparé pour monsieur là? Moi, je suis très intelligent, pas posé de questions. Zin, moi, je suis en pile. Monsieur, je suis capable, monsieur Talon, monsieur dans le studio. Okay. Monsieur dans le studio. Steve, son est capable de chanter dans tout le registre. Même ça, moi, monsieur vraiment éclectique. Monsieur, quand chanter R&B, j'en voulais, bon, reggae, racine, même son été chargé, monsieur très bon, compas, monsieur Bouvel déjà. Donc, n'a travaillé son album là, qui est capable de 8 musiques. Et mais sans surprise nous qui pas contre Steve Kerr bon mon idée comme monsieur dans So Cute qui comme monsieur dans Yakeng qui pendant monsieur de Montréal et qui vient comme monsieur dans Jacot number 1 pour ouais monsieur dans même registre mais l'autre registre que pas connaître n'a travers son produit là et puis monsieur joue en pile monsieur joue en pile et monsieur en demande nous étions en tournée monsieur dernièrement là et actuellement là monsieur a joué en province et monsieur gagne 2-3 dates pendant nice, décembre non nice. monsieur a joué et puis après carnaval là ça m'a sorti dehors. Qui est-ce qui produit pour lui? Monsieur a travaillé avec Jean-Marie Walco pour le moment que un peu le monde connaît. Super producteur. Monsieur a travaillé avec Mike tout qui était produit bag là pour Jaco. Mon jeune producteur monsieur était tranquille, monsieur très bon, très bon jeune producteur nego cap. Monsieur bon et puis moi m'a fait 2-3 contacts de l'autre nèg que m'bien avec eux. Comme nous pouvons gagner au Kim Bakasite non, mais c'est pas cap dimou quand même. Mais exemple, si Khalil est en Haïti, un problème Khalil est la caille. Déjà, oui, boss. Nous travaillons avec Khalil. Donc, je suis avec plusieurs producteurs. Et monsieur lui, son producteur tout. Donc, moi, je suis producteur. Nice. So, ma point. Là, PC mettait plusieurs. Parce que là, monsieur besoin font un album qui est vraiment éclectique. Donc, un album côté Evans Abjoin, Mabjoin, Philippe Saint-Louis Abjoin, et Glafia Abjoin. Mike and the Mike Abjoin, tout le monde Abjoin. Okay. D'ici, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Et on n'a pas épuisé tous les sujets, mais ce n'est que partie remise. Là. Et là, vous voyez encore. Non, même. Le type de débat, ça a eu bon parce que mon apprend, nous apprenons de l'autre. Tout à fait. Et je pense que le pays a besoin. Pays a besoin pour comprendre que nous pas si mal que cela. Tout à fait. Nous pas si tout mal que ça. Et ma boue dit, et musique en belle, Evans me découvre qu'on pas très tard. Ok. Et je suis capable de dire, il y a un qui mentor maintenant, dans le compas, dans le fait, si je comprends, c'est Philippe Saint-Louis. Ah, ok. Et même si on a dit rock and roll, R&B, reggae, ça. I can see that. Non, c'est ça, je me dis, rock, là, je me dis, malade, rock en pile. Je me dis, malade, rock and roll, R&B, en pile, avec Michael Jackson, vous comprenez, génération ça. Yep. Donc, compas, je suis content de compas et oui, même pas vraiment rêver compas. Okay. Mais je découvre ça compas, ça m'a été terrible. Je ne parle pas de compas en 80. Tout à fait, non. Ça c'est l'époque d'or de la musique. Evans, je suis chez Kaï Pipo Saint-Louis, je suis dans Kaï Pipo. Et je suis même Pipo, tu as deux trois autres amis qui sont là. Nous, on a parlé de musique en dedans. Moi, je n'ai pas. Et puis, on a joué tout pour passer la musique. Evans, conseille de se cacher. Ah non. Bon, je vous jure. Evans.
Et Evans, c'est qu'on fait musique, Evans. Evans, c'est qu'on fait musique, partner. Non, c'est qu'on fait musique, man. Et toi, tu as dit ça, mon cher de poule. Non, c'est qu'on fait musique. Non, non, tu as raison. Tu as tellement raison. Non, c'est qu'on fait musique, frère. Tu as tellement raison que moi, Léo, this is magical genius. Ah, non, 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 mais écoute, magical genius. Non, non, mais franchement, man. Non, c'est qu'on arrange, man. On n'a que le dance et mille. Dance et mille, yeah. Il arrange, man, que ça fait sous cacha, partner. Mais c'est pas qui phénoménal, lui, man. Parce que nous, c'est qu'on fait musique. Maintenant, nous, musique, et alors, t'as beaucoup combo, monsieur. Mais c'est texte là, monsieur. Texte là, monsieur. Et puis, là, nous, pour brick là, puis, à bon funk, il y a. I can't get no satisfaction. Et puis, toi, les musiques là, oui, bah, ça, je. Ou senti, ou senti, ou Earth, Wind and Fire. Ah non, ça c'est non, non, il faut c'est ça. Doors, on sent son, on connaît des gangs là. Oh my God. Mon cher gon partenaire qui était Montréal et avant nous finir qui ban mon histoire. Monsieur dit mon chanteur, un jeune dit chanteur qui compte chanter et puis tabou ta venir Montréal. Et puis monsieur font façon pour tabou faire vont gym. Ouais. Ne autant de monsieur. Quand tu monsieur une fait gym d'abord. Tu comme dit moi même si on est qu'a ban histoire, même d'ouvre que le vraisemblable. Parce que je ne sais pas si je suis tabou, je me demande est-ce que c'est vrai. Ou bien je n'oublie pas poser la question. Même si on est un partenaire qui a 23 ans, monsieur compte chanter vraiment. Et puis monsieur dit, ah là, il me font un tabou combo. Et puis il dit, c'est pas le problème. Tabou commence à empirer, monsieur. Monsieur campé devant, et puis il dit, nous parlons. Enfin, tap, 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 bip. Mais yo, mais. Monsieur sauté. Yo la gueule pour 50 ans. Mais yo, pépé. Tabou d'en paix. Et puis, je saute. Je vous décote là. Tabou d'en paix. C'est pas. Je... Mon cher, dernière fois, moi, Tabou Combo, c'était dans la nuit du compas à Paris. C'était Tabou Combo, original H, créole là, avec classe. Et écoute, il y avait pas photo, hein. Il y avait pas photo. Live son scène, il y avait pas photo. Non, pas du tout. Il y avait pas photo. Mais tu sais quoi, c'est, tu viens de dire quelque chose concernant le Skacha. Chaque mec que moi je vois là, par exemple, hier j'avais reçu le membre fondateur, pour ne pas dire le fondateur de Tabou Combo, Albert Chassis. Albert Chassis, hein. Mais c'est bizarre, moi j'ai posé la question. Albert, tu sais pas, monsieur Chita, ouais. Il dit Albert, tu sais comment je suis et comment je file pour Tabou. Ouais. Ou qu'on aime son tabou rouge. Ouais. Mais pourquoi ça, chaque musicien de renom, musicien qui a guéri, qui gagne tout le bagaille, depuis que vous parlez, j'étais à la bonne côté, me référence sur ce Skacha. Non, Skacha, c'est ma référence, pas à part. Skacha, pour moi, c'est du blues. C'est du compas blues. Pour moi, c'est ça, Skacha. Skacha, sonorité vos cacha, c'est une sonorité pas latin. Non, au contraire, Bobby Denis me fait savoir que c'est du latin. Mais pour moi, même sonorité. Par exemple, l'op sonorité. Non, pas la sonorité. Mais okay, j'en range, ok, ouais. Peut-être. Parce que par exemple, j'entends qu'on prend Nemours, par exemple, sonorité Nemours, c'était vraiment latin. Mm-hmm. Latin. Pour moi, même, le map de comment il s'appelle encore, le saxophoniste, la maestro. Loubert Chancy. Mm-hmm. Pour moi, c'est du blues, ok. Mm-hmm. Même type de guitare, Maya latin qu'on a joué, mm-hmm. Il rappelle même oui, pile oui, blues. Oui, guitare là, c'est blues. Ouais. Pour moi, Skacha, c'est. Faut qu'on prie dans une cérémonie awards chaque année, puis qu'on prie de interprétation, de orchestration Skacha pour mon groupe. Et donc, qui compte orchestrer musique. Pour moi, Skacha supposé, je suppose enseigner ça à l'école. N'est-ce que tu as trop confiance? Non, je suppose enseigner ça à l'école pour moi, pour mon apprendre ça que les musiques. Parce que Skacha, son musique qui est à la fois de concert, quand tu as chita, croisé pio, ou abgadé, ou capable de danser, ou capable de faire spectacle avec. Et tu te réjouis. Pas gain plus musique ou qu'a fait ça avec. Tout à fait. Qui est capable de boire trilogie ça, à la fois de concert, ou capable de danser, et ou capable de faire spectacle avec. That's it. Et puis, ou gon crooner, ou gen deux crooners devant. Zouzou. Ou gen Kubano qui gon bariton. Oh god. Une forme de bariton que bon jeune jeune qui gen bariton ça, parce que le crooner c'est un chanteur de charme. Et le type il est encore charmant. Il dit mon croisé Kubano Martin Guguado, ça fait pas changer qui année, ça fait peut-être 4 ans. Et pour les femmes de croisé monsieur dans compas fest et me font photo là ça que mais immortalisé. Elle est photo pas mettre sur Facebook non pour les ralwe. Je prends photo ça me quitte l'âme immortaliser parce que écoute me fait photo avec et même j'aime une fois me chita beaucoup de fanfan tibot me tremble même me poser monsieur question même des petits monde m'a garde fanfan tibot puis moi j'ai chita beaucoup de radio et puis jusqu'à ce bon monsieur qu'on est capable de dire oui.
Mais avec tout le respect que j'ai pour ce mec jusqu'à respect, présent. Le respect que j'ai pour ça, monsieur, est palpable. Moi, Cubano, Miami, non, qu'on pas fait, c'est que je demande son photo. Monsieur, pas là, monsieur, je me content de show. Et puis, je fais photo. Je me dis photo, ça me pas mettre sur Facebook pour ne pas. Ouais. Serge Dex, parlez-nous de Yavé. Ah non, mais ça, c'est mal. Ça, c'est succulent. Non, mais ça, c'est bon. Ça, c'est succulent. Il faut aller parce que le 2017. Non, mais besoin pour une fonce spéciale, Kacha. Mais son mal été. Pas une fonce spéciale, Kacha. Non, je vais m'inviter, me le ça. Non. Laissez-moi dire publiquement à Johnny Silico, je ne peux pas t'inviter à venir chez toi. Ouais, ok, mais il y avait assez, c'est phénoménal. Et tu as un mec, par exemple, qui. Et tu as un mec, ni ou même ni Philippe, vous êtes des gars, par exemple, qui devraient normalement avoir un show journalier, quotidien à la radio. Oui. Parce que les jeunes ont besoin de vous écouter, non seulement de vous entendre, mais aussi de vous écouter. Bon, nous avons 4 heures chaque mardi quand même, c'est beaucoup. Oui? Non, pas d'accord. Nous avons 4 heures chaque mardi. Pourquoi nous faisons pendant près de 8 ans comme service à la communauté? Je sais. Comme service à la communauté. Sans lucratif. Oui, ça, comme c'est, jusqu'à ce que bon groupe qui vient dit bon, nous mettons pas là. Mais nous faisons le bon, comme service à la communauté. Maintenant, on musique Skacha qui, je suis ébahi. Jusqu'à présent, m'attendais, et chaque jour, m'attendais, moi ébahi par ça et Cubano à faire. Bon, on est guetté le jour, on s'accueille. Skacha, tu es vraiment le roi. Et bonheur, tu es le roi, vrai. Ah non, mais. Non, mais Skacha, moi-même, tant que Skacha, c'est vraiment un merge entre blues. Oh, God. Et on balade parce que l'op on crooner, c'est même genre avec Frank Sinatra. Donc, on Frank Sinatra, c'est ton coquin crooner. Tant qu'on mette Cubano dans un registre. Frank Sinatra, qui a chanté tellement, monsieur, articulé tellement bien. Moi-même, je vous dis que. Gon l'autre qui articule un rage non compas mais qui pas non compas non monsieur le gars ça d'elva gars ça son élève chanteur de tout ça dit toute syllabe sortie toute son et puis ou gon zouzou lui même qui sont géants basketteur qui bon côté monsieur qui n'a même juste bariton en tout oui mais Cubano pour moi c'était pour moi gomba et Cubano gain qui inexplicable oui, monsieur gon sol qu'il a dégagé oui que ou pas jeune facile pas jeune ni ka zouzou pas jeune zouzou l'ont dit en plus wof. Tout à fait. Vous comprenez? Malgré que monsieur, par exemple, je ne sais pas si c'est par influence, et monsieur, vous sentez voix Cubano dans voix. Oui, évidemment, c'est de bariton, c'est de bariton, les gars, non, juste bariton. Hein. Mais vous obtenez des ouzous dans Ozana. Oui, non. Vous comprenez? Non. Mais Skacha, c'est. Mais c'est dommage que nous avons un pays qui n'a pas valorisé ça. Ouais. C'est dommage que gagner une sorte de cassure qui fait entre générations, yo, qui fait que aujourd'hui, là, ou qu'on apprend n'importe musicien haïtien qui n'a un groupe qui est jeune, ou dit qu'il y avait pas qu'on dégue soit parlé. Mais il y a pas de bouffe pour finir le show. Il se faut aller qu'on l'autre. Non, franchement, il n'y a pas qu'on dégue soit parlé, malheureusement. Et cassure ça, il est malheureusement à médias. Yeah. Et c'est ce travail que tu es en train de faire, que nous sommes en train de faire. Oui, mardi alternative, chaque mardi. Mais ces messieurs doivent être comme tous les jours, beaucoup plus souvent. Donc pour apprendre nous ça, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Qu'on ne parle pas les vieux qu'on s'avine là. Définitivement. Il y a une histoire qui mène là, il y a deux terrains que le conquis déjà. Maintenant, pourquoi ça ne pas qu'on continue là-dedans? Aucune idée. Maintenant, il y a un effort qu'a fait pour nous retourner reconquérir le terrain ça, tant mieux. Mais musicalement, c'est une musique qui est extrêmement riche. Femme extrêmement. Jour. Musicalement, écoute, au risque qu'on m'en gavine de démentir. Ok? Au risque qu'on m'en gavine de démentir. En dehors de Cuba, qui a une richesse musicale, dans le Caraïbe, dans l'espace Caraïbe, là, Haïti vient après. Et, je ne vais pas le démentir, je ne vais pas le dire Cuba, je suis capable de mettre Haïti en devant. Mais même capable on est capable de mentir parce que je n'ai pas tellement étudié Cuba tellement profond mais l'autre pays on connaît bien on connaît yo. Bon richesse musicale on ne compare seulement bon richesse gain que malheureusement pas gagné on appropriation de lui-même de génération ça yo bon cassure mais qui pas faute yo n'est pas faute yo peut-être voilà son débat pour faire pour essayer de comprendre pour qui ça bon cassure qui existait entre génération en général parce que nous connons génération les variantes de 20 à 25 ans 20 génération entre 20 à 25 ans génération qui passait ok l'opre Yavé il t'a supposé dans la définition académique thème classique la supposition classique t'as bien ça me dit là classique je veux dire dans musique des musiques classiques des musiques classiques sont classiques. Ça, c'est un classique du compas. Yeah. Mais il y a la musique classique qui est d'un genre, de l'époque baroque, etc. Yodou, c'est leur musique là, aller dans la postérité, de traverser les générations. Ça veut dire, si vous prenez Yavé, ou jouez non l'école, troisième secondaire, majorité de monde
t'as dû chanter. Le ça son classique. Mm-hmm. Ok. Okay. Tout autant qu'on a la robe, je vais le regarder, mais elle est belle. Parce que your classique, ce n'est pas la qualité. C'est comment traverser le temps. Tout à fait. Don't worry, be happy. Oui. Bobby McFerrin. Oui. Son classique. Définitivement. Mais don't worry, be happy. Son bail, monsieur, fait tout avec voile seulement. Avec voile seulement. Il n'y a pas de voile. Pas de monsieur, fait pour compter la voile dans le studio. Donc, mais est-ce que vous parlez de gros musique lié? We are the world. Voilà. Ou l'opre, joyeux Noël. Ou voulez dire mon petit monde, ou vous dire par contre musique ça? Bon anniversaire, Tabou Kombo. Évidemment, ça, oui, les classiques. Mais ça, c'est la première acceptation, thème classique là. Deuxième, non, pour on tient un avantage à la musique, ça aussi, il y a une musique qui est référentielle. Par exemple, on a une classe dans l'école, et puis, on dit, moi, je fais de classe de appréciation musicale en Haïti, je fais des séminaires pour des journalistes, je fais un dernièrement là avec une vingtaine de journalistes, animateurs de radio, côté nous, fait pendant une journée, je apprends à apprécier la musique, critiquer la musique. Ouais. Maintenant, il y a des musiques que je prends pour me faire décortiquer, parmi lesquelles 1980 Scorpio. Yeah. Avec cimetière, ouvrez pas à bombasser au cimetière. C'est une musique qui a plusieurs séquences là-dedans. Il a fait plusieurs musiques. Mais évidemment, donc on prend comme musique pour analyser. Mais pour l'autre musique encore qui sont classiques mondiales, Englishman in New York, Sting. On prend, on fait analyser le tout. Maintenant, on est capable de prendre avec tout. Mais dans ce sens, le fait que le conseil de musique de référence que vous êtes capable de prendre pour faire du monde travail dans l'école, il vient au classique. Tout à fait. Donc, il y a deux acceptations au classique là pour mieux comprendre bien. Et pour parler de l'église, on dit musique classique. Par exemple, on a dit, mon ça, monsieur, moi, son classique, oui. Animateur radio, oui. Mon cher, moi, les monsieur, comme on monsieur comme Zamim. Oui, le monsieur me dit, il faut faire ça, mon cher. Nous ne devons pas faire du tout ça. La musique que ça avant elle là. Bon, que t'as bien oublié, je bien. Il va même connaître. C'est parce qu'il ne sait pas, par exemple. Il dit, non, pas. Il est bien content, il est bien content pour expliquer là. Johnny, thank you, man. Welcome. Nous apprécions la connaissance ou souhaitons mettre au service du peuple.